Chose promise, chose due. Après la mobilisation des Guadeloupéens contre l'accès condamné à la crique de Bas-du-Fort, le mur est tombé. Le conseil départemental et sa présidente, Josette Borel l'Incertain, avaient annoncé ce choix dès lundi pour éviter crispation et autres exploitations politiques et médiatiques de l'affaire. Pour les riverains, la nouvelle tombe à pic juste avant le week-end. L'accès à la plage est désormais possible, sans être pour le moment optimal. C'était la plage de la honte, maintenant c'est la plage de la liberté. C'est une très bonne nouvelle, très très bien, je suis très satisfait, mais pas tout à fait. Parce que normalement, la loi dit c'est un passage de 3 mètres. Et quand vous gardez la barrière a toujours existé. Elle a dit qu'elle voulait faire une barrière, mais c'est faux. Elle a menti. Normalement, le passage ne devait être pas ici, là. Parce qu'une personne qui est forte ne passe pas. Une personne enceinte ne passe pas. Une personne handicapée ne passe pas. Ce n'est pas fait spécialement pour les gens qui se portent bien. C'est fait pour tout le monde. Il faut que les gens puissent descendre sans se faire mal. Parce que là, une personne descend, une personne qui n'est pas bien portant, il peut se faire du mal. Il peut tomber. Mais moi, je peux me faire du mal. Alors c'est bien de faire des vrais escaliers. Parce que c'est une très belle place. Ça fait l'une des plus belles places de la Guadeloupe. Une des plus belles plages de la Guadeloupe. Encore faut-il être suffisamment agile et sportif pour y accéder. Après 5 minutes de marche, l'effort finit par être récompensé. Avec son enfoncement creusé dans le rivage, la crique de Bas-du-Fort, c'est un petit coin de paradis ici sur l'archipel, entouré par la roche poreuse du littoral. Un endroit intime dont certains privilégiés ont pu profiter un peu égoïstement pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, de manière exclusive. Vous constatez que la plage était réservée pour certaines personnes. Regardez l'escalier, il arrive jusqu'à la mer. C'était pas fait pour les Guadeloupéens. C'est pas normal. Ils n'ont pas le droit de faire des escaliers qui vont à la mer. C'est interdit. Même si les vestiges d'un passé révolu sont encore présents ici, cette crique intimiste est désormais ouverte au public. Depuis ce matin, un vent de liberté semble souffler sur Bas-du-Fort.